Monsieur l'avocat, la pêche artisanale à Diaké, précisément avec le nom, avec avec le chef du village de Maurice Ico et le chef du village de Clément. Nous devons nous remercier au bord de la lagune, le poisson qui vient fraîchement de sortir de cette eau que vous voyez. Et nous sommes très ravis d'avoir le beau poisson sorti de cette lagune. Donc aujourd'hui, nous sommes en activité. Et nous avons reçu nos frères des Grands Laou qui sont venus rendre visite et s'imprégner de notre activité. Voir ce qu'on fait comme repos biologique, puisqu'ils ne savent pas, la différence entre un repos biologique et puis une baie, la création d'une baie artificielle. Effectivement, le repos biologique consiste à laisser une partie de cette lagune-là bien barricadée, implanté avec soit du bois et du bambou de Chine, puis avec des bidons, et avec le concours de l'administration qui a vraiment fait une étude à cet endroit pour dire que ce poisson, ici, à partir d'ici, on peut élever le poisson. Donc, après donc, la fermeture de la pêche, qui dure 4 mois, nous pêchons dans un endroit, dans cet endroit qu'on appelle baie artificielle. Pourquoi baie artificielle? La nuance, c'est qu'il y a baie artificielle et baie naturelle. La baie naturelle, c'est une partie de terre qui entre dans la lagune et qui fait un canal à l'intérieur duquel va se réfugier le poisson pour se développer. Maintenant, la baie artificielle, dans certains villages, il n'y en a pas. Ces entrées-là. Donc, avec l'aide de l'administration, avec l'État, avec un consensus, avec tous les riverains, les chefs de village, les rois, avec les cadres, on a trouvé mieux de créer un espace où certains villages qui peuvent, comment on appelle, gérer au mieux cette partie de la lagune-là et que ça peut profiter à ce village-là. Donc, nous avons la baie artificielle qui est créée, qui n'a rien à voir avec le repos biologique. Parce que le repos biologique, c'est à l'intérieur de ce repos-là que se trouve la baie artificielle. Lorsque on fait le repos biologique, la baie même qui a été créée n'est pas exploitée. La baie aussi constate le même repos biologique. Donc, le repos biologique pas de pair avec la baie artificielle. Qu'est-ce que le repos biologique? Le repos biologique, c'est comme, par exemple, chez les planteurs, on dit la jachère. La jachère consiste à laisser le terrain se reposer pendant un certain temps. Le repos biologique aussi, en lagune, dans notre lagune ici, ça consiste à créer un lieu de frayeur artificiel pour le repos du poisson, pour que ce poisson puisse grossir et être vraiment utilisable. Qu'est-ce qui vous a motivé à donc instaurer donc ce repos biologique? Ah oui, devant cette démographie de jeunes déscolarisés, avant il n'y avait pas assez de pêcheurs sur la lagune. Il y a ce grand nombre de pêcheurs aujourd'hui sur la lagune, avec nos enfants qui ne vont plus à l'école, avec l'arrivée de certains frères et tout ça. Vous voyez que la lagune subit une forte pression dans son exploitation. Donc il y a lieu maintenant de créer des idées, pour pouvoir freiner un peu cette exploitation abusive à certains endroits pour que le poisson puisse toujours générer dans cette lagune. C'est pourquoi on a créé le repos biologique. Quels sont donc les avantages de ce repos biologique que vous avez créé? Oui. Les avantages sont nombreux parce que il faut savoir que d'abord ce repos biologique permet de nous-mêmes à notre niveau d'abord, lorsqu'on fait un repos, les engins que nous utilisons, ils sont vétustes, on arrive à les réparer. Il y a les filets qu'on arrive à réparer.
Il y a aussi le repos des gens. C'est-à-dire, les travailleurs eux-mêmes se reposent un peu. Après avoir travaillé pendant 8 mois, ils arrivent à se reposer. Ensuite, la lagune, à un certain endroit, trouve un repos pour pouvoir se ressourcer. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce stade. Et au niveau financier, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Oui, on voit que au niveau financier, il y a une amélioration. Le poisson qui comprenait qu'il n'est pas mature, après s'être reposé pendant peut-être 4 mois, vous voyez que lorsque vous sortez ce poisson, en tout cas il est bon. Et quand il est bon, le prix augmente. Vous savez, quand c'est gros, il y a de la valeur. Donc ce repos-là permet de faire un gain appréciable. Et au niveau aussi des différentes espèces, est-ce que ça peut régénérer certaines espèces de poissons? Oui, il y a certaines espèces qui ont disparu dans notre lagune. Et avec plusieurs facteurs, la destruction de la mangrove, la fermeture des passes, par exemple la passe Cassini, qui fait qu'il n'y a pas d'échange entre mer et lagune. Il y a des espèces qui sont entrées en mer et qui venaient en lagune ne sont plus retrouvées. Et donc, vous voyez que cela nous a beaucoup arrangé en faisant ce repos climatique. Ce poisson qui a au moins 2 enfants seulement et qui tend à disparaître aussi dans cette réserve-là peut faire peut-être des milliers de poissons. Donc, en tout cas, c'est avantageux. Vous pouvez donner quelques exemples concrets, oui, en termes financiers, en termes de poissons, oui, d'espèces de poissons, ce que vous avez pu obtenir à travers ce repos biologique. Oui. Vous voyez que dans le temps, dans les années 70 déjà, il y a l'autre espèce qui servait en tout cas, c'est ce poisson qui était prisé en lagune. Ce poisson avait disparu complètement. Le poisson qu'on appelle les harengs avait disparu complètement. Aujourd'hui, avec ce repos-là, ce poisson est revenu en force. Et c'est ce que pendant depuis 2 ans, les pêcheurs attrapent. Donc, c'est un poisson qui avait, en tout cas, nos parents le savent, qui avait disparu complètement de la vie. Donc, aujourd'hui, le poisson a retrouvé la vie dans notre lagune. Ça, et puis au niveau financier, vous savez que le poisson que nous prenons et qui a de la valeur nous permet par exemple de scolariser nos enfants, nous permet de construire des écoles, nous permet de construire des logements pour l'hôpital déploiement, nous permet de construire la maternelle, nous permet nous-mêmes de construire et de dormir sous un bon toit. Quelle est la durée de ce repos biologique que vous avez instauré? Ah oui, c'est 4 mois. 4 mois chaque année, sur 12 mois, il y a un repos biologique de 4 mois. Et l'activité reprend de 8 mois. Quelle est cette période de 4 mois? Mai, juin, juillet, août. Et pourquoi cette période précisément? Ah oui, vous savez que le développement du poisson vient avec la pluviométrie. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, le poisson se développe. Et on a trouvé mieux que pendant ce temps-là, le poisson a toujours été en train de faire des bébés. Donc il vaut mieux laisser cette période-là à la reproduction. Ce repos biologique a commencé avec, d'abord, ce n'était pas facile d'élever. Donc ça a commencé avec 2 mois, ensuite 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois parce qu'on a vu l'importance. Merci. Quelle est en fait la procédure pour instaurer ce repos biologique-là? Si d'aventure d'autres régions, surtout la Guinée, voudraient instaurer ce repos biologique-là, quelle est un peu une idée de la procédure afin d'obtenir ce repos biologique? Oui, ça passe par le cadre, ça passe par les chefs de village, ça passe par la jeunesse, ça passe par l'administration de cette région-là, qui par information se retrouve et puis trouve le consensus, trouve la meilleure façon de pouvoir gérer ce plan d'eau, leur plan d'eau, et accepter de pouvoir laisser ce plan d'eau se reposer pendant un certain temps. Donc c'est consensuel.
Et vous mettez en place un système de surveillance des eaux? Oui, ça, le système de surveillance des eaux, ça, pendant le repos biologique, tout le monde sait que cette activité est fermée pour un certain temps. Mais spécialement à des engins qui sont les gros engins. Par exemple, les scènes tournantes, comme nous avons appelé les filets Ali, qui constatent ce repos biologique-là. Parce que c'est des engins qui prennent quand même assez de poissons. Ils sont un peu comme les industriels sur la lagune. Donc, ceux-là, même de faire des sacrifices en voulant vraiment, en acceptant de faire ce repos biologique. Mais sinon, pendant le repos biologique, ils ne sont pas fermés pour fermer. Quand on ferme, que la population ne vit que de cette activité-là, alors il faut laisser certains engins tels que le filet Mayan. Quel pour vous lancer donc à certaines communautés pêcheurs? Voilà. Ah oui. En termes de repos biologique. Bon, je voudrais. Parce que même toute l'Afrique est en train de voir que ce repos biologique-là est très intéressant pour la pêche artisanale. Et aujourd'hui, le Ghana a commencé à copier sur la Côte d'Ivoire et a pris le devant. En acceptant ce repos biologique-là, depuis le village jusqu'à toute l'Afrique, je pense que c'est une bonne procédure. Donc je voudrais que s'il y a possibilité, que toute l'Afrique, ou partout où il y a les eaux, même en mer, on peut accepter ce repos biologique-là, parce que nos eaux ne font pas un système d'alpinage, où on met du poisson, par exemple par hélicoptère, on met du poisson dans les eaux pour les enrichir. Non, nos eaux sont naturellement enrichies. Donc il vaut mieux accepter un sacrifice en acceptant ce repos biologique-là pour que la ressource puisse perdurer. Voilà, moi je voudrais, c'est mon souhait, que ça gagne toute l'Afrique. Donc plus précisément dans votre village ici, vous ne faites plus de cotisation individuelle? Oui, j'ai dit ça tantôt, que pendant l'ouverture de la pêche, et comme en tant que, vous voyez que la jeunesse n'est plus soumise à une cotisation quelconque. Parce que nous avons une baie artificielle qui est là, la gestion concourt à l'aide sociale et que tout le monde y bénéficie. Il n'est pas qu'il y ait des mécontentements, personne ne paye quoi que ce soit. Si on dit on va faire ce travail-là à 1 million de francs, il n'y a que la baie qui va faire ce travail-là en place.